dernières années, le ski nordique, le biathlon, le ski de fond, et voilà, tous les sports nordiques, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, c'est un sport qui a changé, et les gens ont gardé cette image peut-être un petit peu rétro qu'on pouvait avoir dans le passé, et maintenant on a besoin de montrer aux gens que c'est devenu un sport jeune et dynamique, et il faut le faire sortir un petit peu de la forêt, entre guillemets. C'est un concept sympa qui permet d'attirer du monde vers la pratique et qui permet de faire connaître aussi ces sports que sont le ski de fond et le biathlon. Et puis ça, on les voit sous un autre angle que celui de la difficulté, le froid et tout ça. J'espère que beaucoup de monde, après avoir vu le Nordic Show, auront envie de monter, faire quelques pistes de ski de fond cet hiver pour découvrir les fabuleux paysages qui s'offrent à nous. Quoi. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a plein de monde, c'est vraiment sympa parce qu'il y a la neige donc on peut skier et puis ouais c'est super quoi. Savoyard, déjà je suis fier que cet événement il se passe à Chambéry, capitale des Pays de Savoie, on le sait bien. Et après, bah, ça me touche aussi que justement il y a des shows, des manifestations nordiques qui aient lieu dans notre Savoie. Parce que bah, on est quand même beaucoup réputé pour le ski alpin et on voit aussi bah, que le nordique existe. Et donc bah, on est fier de pouvoir courir là et on voit que c'est un très bel événement. Faire du ski dans une patinoire, c'est. Je pense que je vais être un des rares athlètes à l'avoir fait. J'avais déjà fait du ski dans un stade de foot. Donc là, ça va être une nouvelle expérience et vivement tout à l'heure pour la course.